Salut à tous et à toutes mes petites Lady Cheries. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo sérieuse, d'un sujet sérieux. Nous allons parler, comme vous l'avez pu voir dans le titre, du fait de aimer votre corps et aimez-vous. Alors je fais cette vidéo parce que j'en ai marre de voir des gens qui passent leur temps à se comparer aux autres, qui passent le temps à ne pas s'aimer et à avoir peur de vivre. Donc, tout d'abord, je voudrais vous dire que si vous êtes sur YouTube, sur Instagram, ou sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social, arrêtez de passer votre temps à vous comparer aux autres, à vouloir faire des régimes, à vouloir maigrir, arrêtez de vouloir perdre du poids à tout prix aussi, et arrêtez toutes ces obsessions, parce que toutes ces obsessions, elles sont véhiculées par la société. Il faut que vous arrêtiez en fait. Vous vivrez jamais heureux comme ça, parce que tu vois, dans la vie, on a tous été conçus pour être d'une manière différente mais à la fois se ressembler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même si humainement on a été constitué, toute la population humaine, des mêmes fonctionnements de l'être humain, c'est-à-dire avoir des émotions, après les sens, bon après je dis pas, il y a des personnes aussi handicapées hein, qui n'ont pas tous les mêmes membres, tous les mêmes ceci, ça on respecte. Mais globalement on a été tous constitués aussi pour se ressembler dans le sens des émotions et sur ce qu'on veut et nos projets, etc. et nos besoins, etc. Mais pas pour avoir tous la même morphologie, non. Et différent dans la manière d'être et dans le type de morphologie, parce que quand tu regardes un corps d'être humain, ok, on a de manière générale un corps est fichu pareil, mais pas sa morphologie. C'est-à-dire, on va pas avoir les mêmes genoux, on va pas avoir les mêmes pieds, on va pas avoir les mêmes mains exactement pareilles. On va pas avoir le même nez, on va pas avoir la même bouche, on va pas avoir les mêmes seins, on va pas avoir le même cul. Enfin, faut arrêter tout ça, tu vois. Enfin, je trouve ça débile de se comparer aux autres. Tu vas t'auto-détruire toi-même et tu vas perdre du temps, de l'argent et de l'estime à vouloir perdre du poids à tout prix et à vouloir faire tout ça, en fait. Moi, si je te parle de tout ça, c'est parce que je suis déjà passée par là, tu vois. On est tous forcément passés par là à un moment donné dans notre vie. Et je voudrais qu'aujourd'hui, les gens, ils prennent conscience de ça, même si on n'a pas forcément le déclic tout de suite, tu vois. Et ouais, on passe trop de temps à se détester et à vouloir être autre chose et à vouloir avoir autre chose que ce qu'on est, c'est-à-dire avoir une couleur de cheveux différente, des yeux différents, à vouloir ressembler à telle ou telle star, à vouloir ressembler aux filles d'Instagram. Et pour les garçons, c'est pareil, à vouloir ressembler aux garçons d'Instagram, au modèle que la société a valorisé comme sexe symbole, que ça soit féminin ou masculin. Ouais, et puis en plus, la plupart du temps, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, toutes les images, elles sont retouchées, c'est du fake. C'est des filles ou des gars qui passent leur vie à faire ça, qui n'ont pas forcément d'autres métiers à côté. Voilà quoi. Ou des fils de millionnaires, de riches, de machins. Voilà, donc faut arrêter de se comparer à ces gens-là, puisque tout ça, c'est que du fake. Vous savez très bien que sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on a envie de montrer, on met les images que ce qu'on a envie de montrer, on reprend 10 000 fois la photo, on essaye de montrer notre meilleur profil, notre meilleur ceci, notre meilleur cela. Tout ça pour impressionner je ne sais qui d'ailleurs. Ou pour le paraître, ou parce qu'on a peur d'avoir moins de likes, moins de ceci, moins de cela. Pour le paraître et des critères de beauté, alors que la beauté elle est totalement subjective. Toi tu vas peut-être trouver quelque chose de beau, tu vois, et puis ouais, la beauté c'est tellement objectif, tu vois. Objectif ou subjectif? Bref, je sais plus le terme exact, mais t'as compris ce que je veux dire, je vais t'expliquer. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt de faire ça, je sais pas si vous vous rendez compte. Si vous prenez conscience de tout ça, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et ouais, je sais pas, toi si ça se trouve, tu vois, tu vas trouver... Imaginons t'es un mec, toi ça se trouve tu vas trouver une fille rousse super belle alors que le reste de la société non, tu vois, ou d'autres gars non. Enfin, par exemple tu vas préférer les yeux foncés, d'autres vont préférer les yeux clairs, d'autres vont préférer telle ou telle couleur de cheveux, ou d'autres vont préférer telle ou telle personnalité. Et la beauté elle est dans tellement de choses, tu vois, enfin elle n'est pas forcément un critère prédéfini parce que la société a décidé que c'est comme ci ou que c'est comme ça, tu vois, faut que t'arrêtes de culpabiliser et de vouloir te comparer et de vouloir ressembler à quelqu'un. Toi, t'es toi. Lui, c'est lui. Elle, c'est elle, tu vois. Et ouais, ça sert à rien. Toi, tu veux être toi. Tu veux pas être une autre personne, tu vois ce que je veux dire? Enfin, aime ton âme, aime ton corps, aime ta morphologie, parce que si tu le fais pas pour toi, personne va le faire pour toi, tu vois. Et puis, cherche pas à plaire aux autres, cherche-toi à plaire à toi, à toi-même, tu vois. C'est quoi? Pose-toi toujours la question. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que tu cherches à te plaire à toi
ou est-ce que tu cherches à plaire aux autres, dans le regard des autres? C'est ça qu'il faut que tu te dises toujours. Qu'est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais pour toi ou pour les autres? Il faut toujours que tu fasses les choses selon tes envies à toi, selon tes ressentis, selon... Il faut t'écouter toi en fait. Il faut pas écouter les autres ou l'avis des gens qui disent... Même tu vois, si les gens vont te faire des remarques, si je parle pour si t'es plus jeune ou si toi ça te touche les remarques des autres qui vont te dire ouais t'as grossi, t'as maigri, t'étais mieux avant ou des trucs comme ça, on s'en fout. Tout ce qui compte c'est que toi tu sois heureux avec toi-même, tu vois. Et puis, plus tu vas t'aimer toi, plus tu vas attirer du positif dans ta vie parce que tu vas attirer des gens qui vont t'aimer pour ce que tu es toi réellement, pas pour ce que tu essayes d'être, pas pour le jeu de rôle que tu essayes d'être, tu vois. Et puis il faut arrêter que vous complexiez sur ce que vous appelez vos défauts physiques ou vos imperfections parce que peut-être que toi, à la base, t'es pas complexé par ça et tu vas te laisser complexer parce que les autres trouvent ça moche chez toi. What the fuck? C'est pas logique, tu vois. Et puis, c'est pas parce que toi, tu fais une fixette dessus que tout le monde le remarque, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça joli chez toi, tu vois, en plus. Et puis, il faut vraiment que vous mettiez en tête que toutes les morphologies sont différentes. Il n'y en a pas une qui ressemble trait pour trait exact à l'autre. Dis-toi, même des jumeaux, ils ont des différences de morphologie et des différences physiques. Donc, faut arrêter au bout d'un moment, tu vois. Tu vois, toi, tu crois, parce que la société te l'a montré comme ça, toi, par exemple, tu crois qu'il n'y a qu'un seul modèle de sein. Par exemple, chez les femmes, tu vois. Alors que non, il y a grave des seins différentes. Pareil pour les appareils génitaux, tu vois, il y a des appareils génitaux différents, ils n'ont pas tous la même forme, tu vois. Ils n'ont pas toutes la même apparence. Pareil pour les seins, pareil pour le cul des hommes, des femmes, pour tout le monde, tu vois. Et puis vraiment, pour ce que vous qualifiez de vos défauts et vos imperfections, parfois, il n'y a vraiment que vous qui les voyez. Tu vois, quand c'est pas les autres qui te complexent ou te culpabilisent par rapport à ça, des fois, c'est vraiment vous qui faites une fixette dessus. Et il n'y a que vous qui voyez ces choses-là, quoi. Et il faut vraiment arrêter. Dites-vous que vous êtes à la fois votre meilleur ami, mais aussi si vous vous aimez pas et si vous apprenez pas à vous aimer et à aimer votre corps, à aimer votre âme, à tout aimer chez vous, ouais, vous allez vous autodétruire et je sais pas, c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon et puis après ça vous tourne vers les dépressions, les maladies mentales, c'est pas forcément bon, quoi. Bref, il faut plus vous estimer et arrêter de vous sous-estimer. Je dis pas non plus être narcissique, tu vois. Je dis juste, ouais, apprendre à vous aimer à votre juste valeur, quoi, à savoir qui vous êtes et tout ça, quoi. C'est hyper important aujourd'hui. Faut arrêter de vous frustrer comme ça. Et de vous créer des complexes, de vous comparer, de vous culpabiliser. Vous avez qu'une seule vie, passez là à la vivre pleinement, à être heureux, tu vois, dans vos vies. Si tu t'aimes toi, tu vois, tout ira mieux dans ta vie et déjà une grande partie de ta vie, parce qu'après il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, ça je peux bien en prendre conscience, mais. Parce que si vous le faites pas, tout ça, ben, ça va vous mener à votre perte, quoi. C'est comme s'auto-foutre des coups de bâton, c'est se donner des retours de bâton à soi-même, c'est s'auto-flageller, c'est s'auto-détruire, tout ça. Et c'est mauvais. Je vous dis ça et j'en ai totalement conscience que vous n'aurez pas le déclic tout de suite et que pour certains ça peut mettre du temps, d'autres qui l'ont déjà compris plus tôt. Moi, vous voyez, ça fait peut-être ouais, 1 an et demi. Allez, ça va faire ouais, 1 an et demi, 2 ans? Non, 1 an et demi que j'ai appris à m'aimer vraiment, tu vois, moi, mon corps et tout, tu vois. Je m'en fous aujourd'hui si je prends du poids ou quoi. Je me dis, toute morpho est différente et puis du moment que moi je mange sainement. Je mange équilibré la semaine, après je me fais plaisir quand je sors avec mes potes, tu vois, mes amis et tout. Et voilà, après c'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous, de vous cadrer et tout, tu vois. Je sais pas si ça sera encore très clair cette vidéo et si vous avez compris tout ce que je voulais vous dire. Mais je pense que vous avez compris tout ce que je voulais vous dire dans ce millimilo. Et je voulais vous partager ça parce que je trouve ça vachement important et j'en ai marre de voir des gens qui font les choses pour les autres, pour le regard des autres et pour les autres, avant de faire des choses pour soi-même et avant de s'aimer soi-même et tout le temps se sous-estimer, pas avoir confiance en soi. Et je dis pas que la confiance en soi c'est facile, mais parce que moi-même j'ai des phases où voilà quoi, tu vois. Mais ouais, c'est important tout ça. Faites les choses pour vous, faites ce qui vous plaît, écoutez-vous, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de demander tout le temps l'avis des autres pour valoriser ce que vous faites, pour valoriser ce que vous dites, pour valoriser ce que vous êtes ou comment vous habillez, etc., etc. Sauf si vous avez besoin d'un conseil et que vous n'arrivez pas à vous décider. Mais bon, voilà. J'espère que vous aurez compris tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous la partager et de vous dire toutes ces choses. Et désolée si je peux être parfois maladroite dans certains propos. J'essaie juste d'être le plus cash avec vous et de vous dire les choses le plus honnêtement possible.
Donc c'est pas tous les jours facile d'essayer de s'exprimer face à une caméra et de trouver ses mots parce que j'ai l'habitude du contact humain. Voilà. Et sinon, à part ça, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye mes ladies chéries!